On venait de nous apporter nos cafés quand le tremblement de terre a commencé. On s'est regardés les uns les autres, on était perdus. On était surpris, on ne savait pas quoi faire. Et juste après, des rochers ont commencé à tomber. Et les gens couraient dans tous les sens. D'un côté, il y avait une rivière. Près de là où étaient les terrasses et les restaurants. Et de l'autre, il y avait une autre montagne. Et il y avait des rochers qui tombaient de ce côté-là. Donc on était piégés en quelque sorte. La nourriture, l'eau et un abri, c'était les premières priorités. On a installé une bâche au bout de quelques heures et on a fait bouillir de l'eau. On mangeait la nourriture qu'on avait dans nos sacs. J'ai l'impression que tellement de gens, d'amis et de membres de nos familles nous ont aidés à nous sortir de cette situation que je me suis dit que c'est à moi de faire quelque chose. Et j'ai lancé ce projet, GoFundMe, pour aider à apporter de l'aide dans des endroits reculés de la vallée de Langtang et des régions environnantes.